Kaosu les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure nocturne sur Naruto Storm 3, donc la légende du online. Aujourd'hui on va voir si on peut encore trouver des spammers ou des gens qui sont pas fair play sur le online. Et comme on est sur Naruto Storm 3, on en trouvera forcément, bien que ce soit encore accentué par le fait qu'il soit 2h du matin. Mais ce n'est pas grave, on va voir ce que ça peut donner. Alors chercher une session, parce que oui, je fais très rarement des sessions sur Naruto Storm. Je sais pas, c'est un réflexe depuis génération en fait. Je cherche toujours les sessions et j'en crée jamais. C'est parce qu'en fait, oula, lui il a 9999 BP, d'accord. C'est parce qu'en fait, quand tu cherches une session et que tu te bats contre un mec, si jamais tu veux le réaffronter après, tu sais que lui va encore créer une session, donc t'as juste à chercher son nom dans la liste et à revenir jouer contre lui. C'est aussi une façon d'éviter les spammers contre qui t'as pas envie de jouer. C'est simple, tu retiens leur pseudo après avoir cherché la session. Et comme ça, à la prochaine recherche, tu ne retombes pas sur les mêmes adversaires. J'ai commencé à faire ça sur Génération et j'ai jamais arrêté. Donc c'est assez rare de me voir créer des sessions. Alors, pour l'instant, une personne qui m'a chassé de sa session est Konoha no Heiyu, qui sûrement doit être un joueur. Oui, c'est ça, Naruto Sasuke. On va voir, alors c'est un rang max, hein. Il a 1140 victoires et 181 défaites, d'accord. Il a un très 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 beau ratio, c'est quasiment du 10, enfin 9,50. On va voir ce que ça donne. Par contre, pour cette vidéo là, on va faire des équipes assez spéciales. Parce que c'est bien beau de se faire taper toujours dessus par les gens qui sont pas trop fair play, mais des fois, ça aide aussi d'avoir des bonnes équipes derrière. Enfin, des bonnes équipes. Voilà, alors on va faire une équipe spéciale. Ça c'est l'équipe Tu connais mon fils, donc Minato composé de Tenten. Donc tout le monde sait que Tenten connaît le fils de Minato qui est Naruto. C'est une équipe officielle, hein. Vous pouvez vérifier partout. Ça marche dans tous les Naruto, depuis toujours, depuis qu'il y a Tenten et Minato. Alors en face, je m'attends à un monstre. Voilà, je savais que c'était ça. Ça c'est le mec qui fait semblant, il fait comme s'il était fair play, tu vois. Donc il joue une équipe officielle, mais qui joue quand même une équipe de salopards, parce que Naruto déjà qui est un salopard, avec Sakura, voilà. J'ai quasiment aucune chance de l'emporter, hein. Je vous mens pas. En plus, si monsieur sait jouer, parce qu'encore si il ne savait pas jouer, c'était possible, mais si l'adversaire sait jouer et qu'il joue une équipe pareille, vous avez pas beaucoup de chances de gagner. Ouh, heureusement vous voyez que j'ai Tenten en soutien, parce que je vous avais dit, l'équipe devrait aider un minimum à jouer contre des gens comme ça, mais bon, ça changera pas grand chose, hein. On va pas se mentir que... Oulala, ma shuriken Enton. C'est normal pour lui, j'imagine, de faire ma shuriken Enton à des gens. Il doit trouver ça totalement normal. Si j'avais Sasuke Enton, j'aurais tellement bourré les Enton que... Wouah, je savais même pas que c'était... Wouah, je savais pas que je l'avais touché. Des Ten. Ah, oh, c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment vous voulez jouer contre quelqu'un qui a une équipe pareille? C'est normal qu'il ait un ratio de 9, parce que avec une équipe pareille, excuse-moi, mais si tu perds, il y a de quoi te poser des questions sur le jeu. Parce que quand même... Wouah, c'est quoi ça? Doufuma Shuriken, il appelle son soutien Enton. Ah merde, je me suis dit avec de la chance sa garde va briser, mais... En plus, encore si je jouais pas Naruto en perso principal, je pense que j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais contre Naruto, moi... Vous devez tous savoir que Naruto c'est ma phobie dans le jeu. Donc contre Naruto c'est déjà chaud. Mais en plus contre Naruto qui spam, allez backdash. Allez, bonne chance pour me rattraper. Tenten, je t'en supplie, sauve-moi. Ça c'est bon, Sakura qui... Non, attendez, j'ai peut-être une chance. Mais en plus le jeu est contre moi. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, pourquoi le Fuma Shuriken ne va pas jusqu'à cette distance? Alors là j'ai plus de chakra, heureusement lui aussi. Oh, c'est n'importe quoi, je vous dis. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas trop. Voilà.
J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais contre un mec qui a cette équipe-là, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, franchement. Si vous gagnez, j'ai un énorme respect pour vous. Parce que j'ai beau le répéter. En fait, je pense que s'il avait n'importe quelle autre équipe, enfin, n'importe quel autre personnage principal, il aurait pas eu Naruto, je suis sûr que j'aurais gagné sans problème. Enfin, pas sans problème, mais j'aurais quand même gagné. Le seul problème, c'est que Naruto est le personnage le plus cheaté dans ce jeu de merde. Enfin, on a d'abord Naruto KCM. Ensuite, vous avez Sasuke Susanoo. Non. Alors, on a Naruto KCM. Ensuite, on a Shino. Et on a Sasuke Susanoo. C'est le top 3 des persos les plus abusés du jeu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, chercher dans n'importe quelle situation comme vous voulez. Ces trois persos-là sont les god tiers de ce jeu. Et vous pourrez rien y faire. Hein. Le jeu n'est pas équilibré, même pas un minimum, donc ça va être compliqué. Lui par contre, je me rappelle que c'est un spammer. Je sais que j'ai déjà joué contre lui sur Génération et que ça a toujours été un enfoiré. Mais c'est pas grave. De toute façon, le but de la vidéo, c'est quand même de trouver des spammers en ligne. Hein. Il est 2h du matin, donc on sait tous que ce qu'on va avoir en ligne, c'est à peu près ça. Donc je ne sais pas quelle équipe va me sortir, j'ai même pas regardé. J'ai pas regardé du tout ces statistiques. Par contre, j'ai bien envie de rigoler. Attendez, on va jouer Deidara. Allez, on va faire une équipe très très spéciale. Quoique. Ouais, non, ça fait une équipe officielle. J'ai pas envie de faire d'équipe officielle. Allez, c'est pas grave. On va jouer Deidara Tenten. Et ça fait comme équipe. Ça, c'est l'équipe. Je vais essayer de m'attaquer quand j'ai kidnappé Gaara. Vous pouvez vérifier, c'est officiel dans tous les jeux de Naruto. Car de toute façon, tout le monde se rappelle que quand Deidara et Sasori avaient pris en otage Gaara, l'équipe de Neji, Tenten et Lee ont été chargées de les retrouver. Alors lui, il m'a fait la totale. Lui, c'est un champion, il m'a fait la meilleure équipe du jeu. Mais on dirait que je tombe que contre le personnage que je déteste le plus dans le jeu. C'est bizarre. Tous les jours de ma vie, j'ai tombé contre des Naruto. C'est incroyable. Mais bon. Allons-y, hein, voyons voir ce que ça donne. Oula. Oulala, déjà que t'as une équipe bizarre, si. Wouah, c'est quoi ça? J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Et en plus, je me suis trompé d'équipe. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi aussi. En plus, je me suis trompé d'équipe parce que je voulais prendre Tenten en défensif. J'ai pas fait exprès du tout. Là, je suis sûr qu'il a pas touché, voilà. Parce que c'est Naruto et qu'il fout des douilles. Tenten n'a pas touché. Après, on dit ouais, Naruto c'est pas un perso abusé. J'aimerais bien. Les gens qui disent qu'ils sont fair play et qui jouent Naruto H24, là j'aimerais bien. J'aimerais bien les voir contre des Naruto qui jouent comme ça. Dire ouais, Naruto c'est un perso totalement normal. On joue KCM2, on joue Shuriken et tout, mais c'est pas grave, c'est Naruto. C'est le héros du jeu. Le pire, c'est ceux qui disent ouais, je joue Naruto parce que je l'aime bien, c'est pas parce que. Alors là, ça a pas bugué, voilà. Le pire, c'est ceux qui disent ouais, je joue Naruto parce que je l'aime bien, ça a rien à voir avec le fait qu'il soit abusé. Les gens, si vous jouez Naruto Ermite, ok. Vous pouvez dire je joue Naruto parce que je l'aime bien. Quand tu joues Naruto KCM2, excuse-moi, mais j'aurais du mal à te croire si tu me dis je joue Naruto parce que je l'aime bien. Parce que KCM2, quand même, l'avantage qu'il a dans ce jeu est non négligeable. Putain, même Ermite, il arrive à foutre des douilles, pas possible. Allez, mange-toi ça. Hop. En plus, il a une connexion de merde. Il a une vraie connexion de merde, donc ça ne m'aide pas beaucoup. En plus, que je me suis trompé, je voulais prendre Tenten en défensif justement pour le faire chier. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va voir si on arrive à. Oh, merci Tenten. Merci Tenten pour le soutien que tu m'apportes avec cette équipe. On m'a chargé de te retrouver quand t'as kidnappé Gaara. Il va essayer de me balancer une Neji, mais. Le problème c'est que vu que je joue avec Deidara, j'ai pas le moyen de foutre énormément de. Voilà. Là normalement si j'arrive à le balancer. Ah non. Ça garde des revenus au bon moment. Si j'avais réussi à le balancer pour avoir le renvoi du soutien, j'aurais peut-être pu tuer un de ses soutiens à longue. Sur longue durée. Mais ce n'est pas le cas. Mais putain, connexion en cours de merde. Paye ta connexion, s'il te plaît. Paye ta connexion. Allez, mange ça toi. Oups. Alors la reconnexion, c'est bon, j'ai réussi à bloquer d'ailleurs. Merci à la connexion en cours parce que j'ai réussi à bloquer grâce à ça cette fois. D'accord, je sais pas trop ce qu'il est en train de faire derrière le mur de Deidara. Allez, mange-toi. Putain, il a déjà repris connaissance.
Voilà. Je vais charger un peu mon énergie. Par contre, les connexions en cours qui sont abusées. Lui, je vais essayer de ne pas le laisser gagner. Parce que j'ai déjà la rage d'avoir perdu contre un Naruto. Je vais essayer de gagner contre le deuxième. Même s'il faut jouer comme un salopard. Allez, tiens. Mange Deidara. Oh, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça perd et ça commence à mettre le mot de truc là. Allez, mange, mange, mange. Ta hitbox est encore plus grande. Mange, mange, mange. Allez, déguste. C'est la fin. Warida, Warida, Warida. Oulala, oulala, oulala. Il va essayer de faire. Non, 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 Deidara, tu prends pas ça. Meurs, s'il te plaît, meurs, meurs. De toute façon, il reste 14 secondes. Franchement, s'il arrive à me tuer en 14 secondes. S'il arrive à me tuer en 14 secondes. C'est qu'il méritait vraiment la victoire. Surtout que là, je vais essayer de perdre le temps au maximum. Voilà, je savais qu'il allait foncer sur moi. Et là, en plus, il est obligé de permuter. Voilà. Il est obligé de permuter tout ce que je faisais. Donc, il était obligé de permuter tout ce que je faisais. Donc, je m'en suis donné à cœur joie, comme vous avez pu le remarquer. Ça vous apprendra à jouer des Naruto en ligne. Deidara Senpai. Alors, premier combat, Naruto. Deuxième combat, Naruto. Troisième combat, Naruto. Pourquoi? Pourquoi pas? Je suis sûr que ça pourrait donner ça, hein, avec la chance que j'ai. Je vais jouer 10 combats, j'ai tombé que contre le personnage que j'étais le plus. Bon, voyons voir la suite. Recherche de session, recherche de session, recherche de session. Alors, Play to Win, MF. Alors, lui, son pseudo me dit déjà qu'il doit être énervé. Ça, c'est pas le genre de mec qui a envie de perdre. Hein. Play to Win, ça veut dire. Quand je suis à 5%, je te mets tout ce que j'ai, je balance mes soutiens défensifs. TS3 Brisegard, j'en ai rien à foutre, faut que je gagne ce match. Et on va voir ce qu'il nous réserve comme équipe. Moi, en attendant, je vais choisir. Je vais choisir l'équipe. Cette équipe-là. C'est l'équipe. Je maîtrise la technique que tu as créée, tout le monde. Ça, c'est officiel depuis Storm 2, ça marche, ça. C'est une équipe reconnue par tout le monde. Parce qu'on sait tous que le deuxième Hokage a créé les Dotensei et lui, il a maîtrisé. Alors, par contre, lui, il doit être vraiment énervé. Il a dû avoir une sale journée, il s'est dit, putain, je reviens sur Naruto, je vais niquer des gens. Je vais prendre Kimimaro et Deidara, avec Ino en plus, une équipe qui a pas trop de sens. Je vais faire le maximum que je peux pour qu'ils aient le seum quand ils jouent contre moi, quoi. Et voilà ce que ça donne. On va voir si je peux le battre avec son équipe assez bizarre. Pendant que moi j'ai une équipe normale intitulée J'ai maîtrisé la technique que t'as créée. Équipe reconnue en tournoi et officielle et tout. Il a pris tout le combo en garde et il a permuté sur le shuriken. Alors, il utilise ses soutiens un peu bizarrement. Je pense qu'il a besoin de voir mon tuto lui. Il a besoin de voir le tuto. Ouh là là, bien vu. Bien vu. La garde est. Et la shop Zino, par contre, je sais pas pourquoi il backdash tout le temps. Ah, d'accord, je vois ce qu'il veut faire. Ok, je vois quel style de jeu il veut adopter. On va jouer comme tu veux. Allez, mange-toi ça. On a du coup la même vie. Sauf que moi, j'ai plus de. De permuter de chaque toi. Voilà, merci, deuxième Hokage. Toi-même, tu sais que je maîtrise la technique que tu as créée. Donc, on a des liens. On a des liens très rapprochés. Là 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 là. Mais. En fait, je sais pas qui lui a dit que le jutsu Zino était le meilleur du jeu. Je sais pas où il a pu lire ça, mais. En fait, je pense qu'il doit avoir une technique. Il doit avoir un truc genre. Je balance le jutsu Zino, je balance Deidara, et peut-être ça fait un truc imparable, mais pour l'instant ça marche pas en tout cas. Ah merde, il va se lever, il va me balancer le jutsu, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Je savais qu'il allait permuter sur le. Ramène-le. Hop. Non, ça marche pas. Oh, mais les backdash. Il backdash sur la map la plus grande du jeu. Comment vous voulez faire quelque chose contre ça? Pouh, heureusement que j'ai annulé Kimimaro quand même. Parce que là, c'était chaud. Allez. Oh merde. Son soutien offensif qui m'a repêché. Ok, d'accord. On sait pas pourquoi tu fais le shield and shield, mais tu continues. Donc continue, hein, amuse-toi si tu trouves ça bien. Allez, mange. Fuin Jutsu, Velo Tensei. Boum, oh salut. Kimimaro qui n'a servi à rien depuis le début du match, hein, mais c'est pas grave. Donc lui, par contre, j'ai
pas trop compris sa façon de jouer, ni son équipe, ni sa tactique. Mais c'est pas grave, j'ai quand même remporté la victoire avec l'équipe Je maîtrise la technique que t'as créée. Donc ça va, pour l'instant ça va. Ça fait 2 victoires sur 3 matchs quand même, c'est pas mal, c'est un bon ratio. Mais bon, sur 5 matchs, je pense que genre, il y aura 3... Parce que là, j'ai... Ouais, je pense que sur 5 matchs, je crois qu'il y aura 3-2 en défaite pour moi, quoi. Je pense que les 2 prochains matchs qui viennent, je vais tomber contre des mecs qui sont très très chauds. Mais voyons voir tout ça, ce que ça peut nous donner. Alors lui, s'appelle Skateboard 1-3-2. Donc je vais le défier. Ah merde. Blessing Hero. D'accord. On va actualiser parce que... Je risque de tomber que sur des sessions qui ont déjà été fermées ou déjà été prises. Session trouvée, session trouvée, session trouvée. Recherche de session, play to win. Alors lui s'appelle Gatman69. Il a un ratio de 2,50 à peu près. C'est un ratio à peu près normal quand t'es assez bon. Mais je ne sais pas trop, peut-être que... Attends, juste pour vérifier, juste pour rire. Gaara, Kakuzu, Itachi, d'accord. Le top qui paraît assez normal, mais le Kakuzu qui nique tout. Je ne sais pas s'il est là. Il ne m'a pas l'air là. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Il est 2h du matin, il y a des gens qui sont pas devant leur session. Est-ce que tout ça est normal? Enfin, les gens, à 2h du matin, si vous voulez plus jouer, éteignez le jeu. Créez pas des sessions pour les laisser ouvertes pour que les gens rentrent dans vos sessions et elles sument parce qu'elles sont vides et que vous êtes pas là. Donc, Blessing Hero, ça marche pas. Phoenix 23922. J'aime pas les pseudos à chiffres, c'est vraiment compliqué à prononcer. En même temps, je dis ça, mon deuxième compte PSN, c'est Robocop LOL 2. Compte qui a été créé pour troller Raiga TV sur une de ses vidéos. Enfin troller non, j'avais juste envie de foutre la merde et je suis allé c'était au début quand tout le monde suivait en fait pour la petite anecdote hein, pour ceux que ça intéresse, c'était au début quand tout le monde suivait les vidéos sur la Yata Gaming. Un jour moi et Konoha Channel on s'est amusé à rentrer dans une session de Raiga qui était directement filmée sur la Yata Gaming et on s'est amusé à foutre le bordel dans son tournoi. Mais je ne suis pas un enculé en fait, j'ai voulu foutre le bordel seulement si je rencontrais Raiga TV, mais vu qu'il est pas très fort à Naruto, il a perdu en cours de tournoi. Et je me suis retrouvé contre Madara no Senju je crois en finale. Et j'ai réussi à le battre, mais bon j'avais une équipe orthodoxe, même si j'ai joué normalement mon équipe était... Je crois que j'avais Homme masqué, je sais plus qui, mais bon. Ouais, la finale était quand même belle parce que j'ai joué un minimum dans le respect de mon adversaire qui lui ne m'avait rien fait. Et j'ai quand même gagné, mais bon. C'était la petite anecdote pour le pseudo Robocop LOL 5, Robocop LOL 2, parce que j'avoue que c'est un pseudo peu commun. Et vous pouvez vous demander pourquoi j'ai ce pseudo-là. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué cette histoire. Cette anecdote... qui s'était passé un dimanche pluvieux d'automne, si je ne me trompe pas. Alors, Monster 1-2-3 2D. DRZ Léo. Ah, DRZ Léo qui, lui, me paraît être là. En plus, il a Itachi en PP, c'est un bon mec. Enfin, un PP en image de carte ninja. Itachi, en plus, Itachi avec le... Oh, vas-y. Je croyais que c'était un bon mec, mais il m'a viré de la session. Mais j'espère que j'ai pas prendre 1000 ans avant de trouver le troisième match parce que dans tous les cas je vous mettrai un lien, comme d'habitude je vous mettrai un commentaire, enfin une annotation sur la vidéo qui vous permettra d'aller directement au troisième match si jamais je dure vraiment à trouver mon troisième adversaire. Et ce n'était pas le cas. SMAIFnet, je ne sais pas comment ça se lit donc je préfère épeler. Et qui avait une photo de Danzo. Je vais jouer avec Tsunade. Tsunade qui, d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Twitter, attendez, j'ai choisi d'avoir l'équipe qui va être assez spéciale. Donc ça c'est l'équipe. Ça c'est l'équipe, t'as détruit mon village sous mes yeux. Ça c'est officiel depuis Storm 2, hein. Depuis que Pain a été inclus dans Naruto, cette équipe là existe.
Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, cet après-midi, je disais que Tsunade faisait partie des personnages de Naruto que je respectais le plus. C'est le deuxième perso que j'ai respecté le plus, enfin, juste après Naruto. Et du coup, je disais que j'aimerais bien qu'elle survive à tout le bordel qui se passe actuellement dans les scans. Cette guerre ninja de merde, j'aimerais bien que Tsunade. Non, pas un bug quand même. Déconnecté de la session. Alors lui, il avait quand même une équipe de salopards, donc je sais pas si finalement si c'est bien ou pas d'avoir quitté, enfin que la session est buggée. Mais du coup, je disais que j'aimerais vraiment que Tsunade survive à toutes ces bêtises qui arrivent actuellement dans Naruto, parce que quand même Tsunade c'est un perso qui a eu un vécu énorme et juste pour tout ce qu'elle a vécu, la perte de tous les membres proches qu'elle connaissait et aussi la perte de Jiraiya. J'aimerais vraiment qu'elle arrive finalement à vivre en paix et à être Hokage de Konoha, même si c'est pour 2 ans et qu'elle doit mourir de vieillesse. C'est pas grave, mais qu'elle meure pas à la guerre quand même, quoi. Qu'elle n'ait pas la même mort que tous les ninjas qu'elle a aimés dans sa vie. Alors, Shino Fox the World, donc lui, je sais directement qu'il joue avec Shino. Et il a un ratio de 7 x 3 à 21, ouais, il a un ratio de 7,66. Il m'a viré de sa session, ça doit être un mec qui joue que contre des débutants pour avoir l'avantage. Donc effectivement, je mettrai une annotation pour aller directement au quatrième combat de la vidéo parce que là on va tourner en rond. Je pense que ça fait 5 minutes qu'on tourne en rond et que je raconte ma vie qui ne vous intéresse pas forcément. Donc je pense que je mettrai une annotation, mais bon. J'espère que les deux derniers matchs seront assez rapides à trouver quand même parce que j'aimerais qu'on n'ait pas forcément 30 minutes, enfin plus de 30 minutes de vidéo. Donc l'équipe, tu as détruit mon village sous mes yeux. Tsunade Hime. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on l'appelait Princesse Tsunade. Je pense que ça doit être en référence au fait que Shoda Hime est le créateur de Konoha. Ça doit être pour ça que genre les membres de Konoha considèrent Shoda Hime comme un roi. Et c'est sûrement pour ça qu'ils appellent Tsunade sa petite fille, Princesse Tsunade. Alors en fait, il y avait un Danzo qui avait une équipe de putes. J'ai changé de match et je retombe sur un Danzo qui a une équipe de putes. Bon, on va faire ce combat pour voir qui est le véritable Hokage de Konoha. Pour ceux qui n'ont pas compris, Danzo avait pris la place de Tsunade au moment où elle était malade, dû à son long combat contre Pain. D'accord, ça commence bien. Je pense qu'il va faire quasiment que ça en fait. Voilà. Comment tu vis de plus avoir de chakra, salopard? Comment tu le vis, hein? Comment tu vis le fait de plus avoir de chakra? Comment tu vis ça? Merde, mais comment. Ça, c'est quel genre de chance? Ça, c'est quel genre. Il va me balancer son jutsu? Voilà. Mais quelle chance il a, ce mec-là? Mes coups qui tapent dans le vent alors que la hitbox est normale et que je suis juste à côté de lui. On se demande tous pourquoi. Pain qui n'est pas encore venu en soutien automatique. Allez, Shinra Tensei. Oh, le beau combo que je viens de faire. Allez, on saute, petite bombe. Pain ne me le ramènera pas 2 fois de suite par contre. Et c'est bien, c'est normal parce que si le soutien ramenait tout le temps à la suite. Merde. À mon éveil, il a ses permutations infinies. Voilà, il va commencer à jouer. Voilà, on va essayer d'avoir sur ça. Pain. Merci Pain. Oh merde. J'ai voulu faire. Allez. Vous me direz TS dans le dos, mais de toute façon il était mort. J'avais juste envie de lui foutre le seum en le terminant avec une attaque de Tsunade Hime. Alors là, j'écoutais ce qu'elle disait parce qu'en fait, je pense que vous avez remarqué, j'ai pas les sous-titres. Et je pense qu'elle a dit protéger le château. Putain, j'ai failli dire protéger le château. Protéger le village. Et les villageois, ils les aimaient tous. C'est. Attends. Hokage no Ichi. Ouais, c'est la volonté d'un Hokage. Ouais, ça doit être ça, Hokage no Ichi. C'est la volonté de tout Hokage de protéger son village et d'aimer les citoyens. Et donc, j'ai réussi à battre ce Danzo. Nous allons donc aller pour le quatrième et le cinquième et dernier match. En espérant que je ne passe pas 10 minutes à trouver le combattant qui m'affrontera. Ce serait dommage. Et ça ne ferait que augmenter la vidéo pour rien. Alors, lui s'appelle God of Kage. C'est. Oh, Lingaramichi.
Tang Extreme 77. Naruto 7610 Kurama. Bon. Bon. Qui acceptera d'affronter Giz Machine? Moneybag, hein, Mix the End. Mais ils ont tous peur de moi ou quoi? Voyons. Juste à cause de mon pseudo, les gens ils se disent waouh, une machine et tout, ça doit être une bête. Venez, on l'évite. Non, vous n'avez pas à m'éviter, combattez-moi, surtout que vous utilisez des équipes peu orthodoxes, comme j'aime les appeler. Maintenant, je dirais plus des spammers, je vais dire des gens qui utilisent des équipes peu orthodoxes. Alors, toi, t'as Sasuke en PP, tu dois être un salopard. Donc, je vais me défouler. Tiens, Sasuke, il a Sasuke en PP. Donc, je vais faire une équipe avec Sasuke, tiens. Pour lui montrer à quel point son personnage préféré est un salopard que je déteste énormément, j'ai envie de jouer avec EMS. Alors ça c'est l'équipe tu as embrassé l'homme que j'aime. Donc tout le monde comprend la référence, Sasuke qui embrasse Naruto dans le premier chapitre du manga. D'ailleurs c'est dans le premier, c'est dans le troisième chapitre je pense. Premier chapitre l'histoire de Naruto, deuxième chapitre Konohamaru. Et dans le troisième chapitre il embrasse Naruto. Donc depuis ce jour-là, Hinata a une haine profonde et refoulée envers Sasuke. Et du coup ça fait cette équipe-là, c'est officiel depuis que Sasuke et Hinata sont dans le jeu. Alors j'avais dit quoi, j'ai fait 5 combats pendant ce jeu et je suis tombé contre 4 Naruto. Hein. On dirait que je suis maudit et que tous ceux qui sont en face de moi veulent jouer Naruto. C'est pas possible. Comme s'il y avait écrit en fait sur mon pseudo « Déteste Naruto dans ce jeu ». Je sais pas. Mais bon. Par contre là j'ai EMS donc j'ai un peu le Enton. Je vais voir ce que le Enton peut faire. Allez, il a permuté deux fois pour rien. Il essaye de jouer en l'air contre Sasuke EMS lui. Il a la foi. Sasuke EMS qui, je rappelle au cas où vous posez la question, est le personnage du jeu qui a la plus grande priorité aérienne. Lui et son grand frère Itachi. Ouais, c'est lui d'abord. C'est lui, ensuite Itachi pour ses combos ambigus. En fait, Itachi, c'est même pas qu'il a une priorité, c'est juste que ses combos sont très bizarres et dans son combo en l'air, il se retourne et des fois, vous pouvez retomber dedans. Donc, je pense que ça fait Sasuke EMS. Ensuite, ça fait Itachi et Shinso, peut-être. Parce que Naruto n'a pas une si grande priorité aérienne. C'est surtout au sol qu'il est très très dangereux. Nigerare Orodo. Putain, je me rappelle quand Sasuke, quand Naruto Storm 3 venait de sortir, Sasuke EMS était dans mon top 3 des persos. C'était un nouveau perso, il était totalement stylé donc je le jouais. Et après je pense que c'est à cause de Nagashi que j'ai commencé à jouer plus Sasuke Shinso. D'ailleurs je ne sais même pas c'est quoi mon top 3 actuellement, je crois que c'est Sasuke, c'est Minato. Oh merde. Attendez, je vais essayer de le terminer avec une chope. Peu importe ce qui arrive, je le termine avec une chope. Allez, j'espère qu'il meurt. Ah, il meurt pas, donc je dois refaire une chope. Oh merde. Je vais essayer de le terminer avec une chope, les amis. Est-ce que nous allons y arriver? Allons-nous y arriver? Ah non, non, ça risque de donner quelque chose de pas intéressant. Est-ce que je l'achève? Non, attendez, on va essayer quand même avec une chope jusqu'à la fin. Je vais balancer Hinata. Allez, je dash, putain, c'est lui qui m'a chopé. Le chopper qui se fait choper. N'importe quoi, il va me balancer un truc. Non, même pas. Il va me balancer sûrement Neji et Kimimaro. Là, il doit être chaud. Là, il se dit, putain, je suis en train de remonter un mec très très chaud et tout. Il va permuter les shurikens, voilà. Non, j'y suis presque. Non, j'y suis presque. Hinata. Ah, non, Hinata le tue pas. Hinata. Mais il aurait pu être un minimum vif et à muter le Kaiten quand même. Bon, j'ai raté la mission que je m'étais confiée, c'est pas grave. On va dire que c'est la faute d'Hinata en fait, vu que comme je vous ai dit au début, elle était Sasuke, elle a pas voulu qu'il réussisse sa mission et qu'il termine son adversaire en shop. Mais ce n'est pas grave, on fait avec. Alors, 7 combats ou 2 bugs, donc 5 combats au final, 30 minutes de vidéo. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui, pour cette légende du online numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à revenir dans la semaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes mercredi.
Donc vous aurez cette vidéo jeudi. Je pense vendredi vous aurez le One Piece. Samedi vous aurez Street Fighter. Dimanche vous aurez One Piece. Mais ça c'est dans la théorie. Hein. Après dans la pratique je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Vu que j'ai repris les cours, mais bon ça ne vous intéresse pas de toute façon. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à tous à bientôt. Bon, il n'y a plus de chakra chez les deux adversaires. C'est Sakamoto qui en récupère un peu plus que son adversaire. Avec une de Sasuke Nagashi qui n'est pas passé. Donc il a perdu. Il a permuté au moment où ses permutations remontaient, il ne risquait pas d'avoir les 4 donc maintenant. C'est le moment pour Sakamoto de contre-attaquer avec Minato en soutien, je ne sais pas ce qu'il peut faire.